excusez-moi. Vous n'avez pas vu mon amie Séverine? Non. Séverine, elle doit être encore en retard. Enfin, Séverine, elle est toujours en retard. Ouais, je crois même que Séverine est en retard le jour de son enterrement. Oui. Ah non, mais moi, ça me fait tellement du bien d'être ici. Hein? Des vacances à la Côte d'Azur avec mes copines. Ah oui, ah, mais ça me change, hein. Des vacances en Normandie avec mon mari. Oui, 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 parce que nous, on va là-bas. Mais on va là-bas, mais on y va l'hiver. Alors, il fait un froid, je vous dis pas, un froid humide. En fait, on se pèle de froid, c'est bien simple. Et alors, en plus, mon mari, eh ben, il n'aime pas chauffage central. Oui, il va garder le côté, voyez, un petit peu rustique. Bon, alors, heureusement, hein, nous avons une cuisinière à bois dans la cuisine. Oui. Bon, mais une cuisinière à bois, hein, c'est un petit peu long à chauffer quand même. Hein. Mais alors, quand ça chauffe, là, oh, oh putain, quoi. Ça chauffe. Je sais pas, moi, il fait chaud. Oui, genre 40 dans la cuisine. Alors, c'est bien simple, nous, on est tous obligés de manger en slip. Oui, alors, quand on a des invités, c'est vrai que ça leur fait un petit peu drôle, hein, quand même. Au début, ils nous disent comme ça, « Non, non, tu sais, moi, je garde ma petite laine. » Bon, et alors, à la fin de la soirée, hein. Ben oui. Bon, et alors, ça fait pas 5 minutes, hein, qu'on est arrivé là-bas, mais pas 5 minutes, que chaque fois, mon mari me dit comme ça, « Caro, oui, tu vas pas aller chercher les œufs fraîches, les pères du chêne ?» Bon, alors, le père du chêne, c'est le fermier d'à côté. C'est notre voisin, mais vous voyez, c'est un voisin qui est un petit peu loin, quand même. Donc moi, ça fait pas 5 minutes que j'arrive là-bas, que je me retrouve toute seule, dans le noir, sous la pluie, avec mes petits mocassins dans la boue, à devoir traverser la forêt en direction de la maison du père du chêne. Bah oui. Alors, je marche et puis à un moment donné, j'ai peur. Bah oui, parce que moi, il y a quand même deux choses, hein, qui me font peur quand je marche dans le noir. La première, c'est d'être là, enfin d'être là, oui, d'être là tranquille, tranquille comme on peut, tranquille, mais de marcher comme ça, et puis tout d'un coup, ch'ting. Je marche sur un râteau. Mais ça fait mal, un râteau. Et alors, le deuxième, ça me fait peur, quand je dis qu'il me fait peur, qu'il m'angoisse, c'est le...
une véritable infection. Ça fait genre 3 semaines qu'il dort dehors sous la pluie, alors il pue. Enfin, je sais pas, on dirait une odeur entre le master et la vache et le prisonnier. C'est lui, Michel. Oui. Est-ce que le papa de Michel est là? À la maison? Oui, il est là. Super. Merci, Michel. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que là? C'est moi. C'est votre voisine, la petite parisienne. Non, de petit bonhomme. Mais c'est pas encore le week-end, hein? Non, monsieur Duchesne, je sais bien, mais comment vous dire ça? On fait le pont! Germaine! Va vite me chercher le fusil! Madame, monsieur Duchesne, c'est moi! Oh, ma petite Caro! Oh, mais je vous avais pas reconnu! Vous venez chercher vos yeux, c'est ça? Ben oui, monsieur Duchesne, comme d'habitude! Mais Germaine, va vite me chercher les œufs pour la petite Parco. Dites, en attendant, vous prendriez bien un petit quelque chose avec moi pour trinqueur. Ben, écoutez, monsieur Duchesne, ça me touche beaucoup. Vraiment, mais je suis un peu à jeun et il y a un truc qui m'est tombé sur les bronches, enfin. Oh, Caro, dites, c'est bon, l'agneau pour la bronchite. Et là, tu te retrouves avec un verre à moutarde, rempli mais à bord, hein, ton alcool qui est fait maison, mais d'au moins 1400 degrés. Santé à la parisienne. Santé, monsieur Duchesne. Waouh. Hey, ça fait pas tomber les dents, hein. Dis-toi, petit Caro, allez, vas-y. Qui c'est que... D'accord, monsieur Duchesne. Bon, ben parce que il le vaut bien, hein. Waouh. Alors moi, quand je sors de chez lui, et la boue, elle me fait plus peur, hein. Que je tombe sur
y a pas de souci, j'étais en compagnie de ces charmants jeunes gens. Je leur racontais un peu les vacances en Normandie hors de la saison estivale. Et toi, t'as l'air... Ah ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je reviens d'une séance d'épilation. Enfin, j'en reviens. Ça fait 15 jours. Ah ben maintenant, je peux te dire que je sais ce que ressent un homard dans sa casserole. Ça me brûle. Oh, je te jure. Non, mais j'ai tout essayé. Les glaçons, les rondelles de patates crues. Alors, les glaçons, ça fond, les rondelles de patates crues, ça cuit. Je me suis retrouvée avec un gratin dauphinois dans l'aile. Non, mais ça commence à peine à être supportable, tu vois. Alors, curieusement, le seul truc qui m'a un peu soulagée, c'est la végétaline. Bon, je sais, toutes les frites vous diront le contraire. Mais faut pas croire que des frites, c'est tout, frites. Ah, ça brûle. En fait, ça commence à être supportable, mais ça continue à battre, tu vois. Ça brûle comme, eh bien, comme quand on se coince le doigt dans une porte, tu vois. Bam! Après, ça fait toutouf. Toutouf. Et ben voilà, c'est ça. Avant j'avais une touffe, maintenant j'ai une toutouf. En fait, je suis partie en vacances en Corse. Donc, le premier jour, pour être désirable, j'étais dans le village du coin. J'ai la première esthéticienne venue. Jocelyne Colonna, esthétique. Je te jure, Jocelyne Colonna, esthétique, elle s'est pas laissée démonter par le tapis tout fin, là. Je te jure, parce que avant d'aller chez l'esthéticienne, faut laisser pousser les poils, hein? Sinon, ça sert à rien. Eh ben, moi, j'ai laissé pousser, hein. Ah. J'étais en maximum. Plus, on peut pas faire. Ah non, femme chien. Ou un tapitouf, voilà, c'est ça, un tapitouf. Eh ben la Jocelyne Colonna, le tapitouf, ça lui fait pas peur du tout. Je jure, après, je ressemblais à la Corse après les incendies de l'été. Alors, pour le maillot, j'avais demandé le modèle ticket de métro. Et ben là, je voyage sans ticket. Non, mais je vous jure, il me reste tellement peu de poils que si je veux, je peux mettre le string avec la ficelle devant. Y'a pas de problème. Je change rien. Ah, si je veux, je peux même mettre une gommette dessus, hein. En fait, ça ressemble un peu à la moustache d'Hitler. Ouais, mais ça fait peur à mes slips, hein, je les achète en vert. Oh non, mais Jocelyne, quand elle m'a arraché la première bande de cire, j'ai cru qu'elle allait m'emporter les organes avec. Que ma métrompe de fallope allait suivre mes mouvements. Non, mais vous imaginez, tout qui pendouille, hein. Pendant que j'étais dans le coma, elle en a profité.
Il en a profité pour faire les sous de bras et les guimoles. On a même fait. On a même fait un cadeau gratis. Rincer les sourcils. Oh putain, la tronche quand je me suis réveillée. Oh, j'ai cru que j'avais pris la foudre. Non, pire. Ça m'a rappelé un documentaire sur Régine. Oh, mais ça pourrait être désirable. Alors là, c'était pas une... Oh, oh, oh. M'asseoir sur un banc. C'est pas possible. Alors sur un homme. Oublie. En tout cas, parfait. Fini. Et l'année prochaine, je pars en vacances au Portugal.